La production de cette série « Mes racines, mon histoire » est rendue possible grâce au programme Fonds d'action culturelle communautaire du développement des communautés de langues officielles de patrimoine canadien. Mes racines, mon histoire. Bienvenue à une autre édition de « Mes racines, mon histoire », l'émission où on va à la rencontre de jeunes entre 12 et 30 ans à Edmonton, en Alberta, au Canada. Présentation. Je m'appelle Eden Muninga, j'ai 24 ans. J'aime beaucoup la musique parce que ça, d'ailleurs, c'est mon identité depuis que je suis enfant. Eh bien, bienvenue à cette édition de « Mes racines, mon histoire ». Étant donné que tu aimes tant la musique, peux-tu nous dire comment tu veux partir cette émission musicalement? J'aimerais commencer avec la chanson de Lokwa Kanza, qui est un artiste congolais qui touche beaucoup mon cœur par ses chansons, ce qu'il raconte, ses contenus. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de débuter cette émission avec la chanson de Lokwa Kanza. Et le titre? C'est « Déploie tes ailes ». Entre les mains, prends ta vie à cœur pour aller loin. Tu as la chaleur de l'amour en toi. N'abandonne jamais quoi qu'il en soit. Et n'attends personne pour bâtir. Sans un mot, déploie des ailes. Fais comme l'oiseau. La vie est belle, tu peux aller plus haut. Déploie des ailes. Tu as les canards. Y a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts. Aventure-toi sur le plus beau chemin. Le monde est immense, il t'appartient. Si l'espoir est grand, laisse-toi porter par le vent. Comme l'oiseau, la vie est belle, tu peux aller plus loin. Déploie tes ailes.
C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà pas m'en baisser sur le palier. Comme autre tu mets oh, j'suis médaillé. Pas mon os négro, allez, dalle. La cuenta fut très très sale. Ta Allah, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Oh, mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis devant un plat de thieboudienne. Même noir j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FLO, Mara, Salvatrocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Première roue arrière et des mères. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer l'écran. Ça, c'est un artiste français, c'est un rappeur. Il s'appelle Booba, ou Bédézo si vous voulez bien. Et c'est un d'origine africaine. Mais ce que j'aime bien dans cette chanson, Booba essaye d'expliquer comment que ce n'est pas les quartiers qui lui quittent, mais c'est lui qui quitte les quartiers. Et il essaye d'expliquer, de montrer l'immensité de l'Afrique avec toutes ses richesses. Il a parlé, il a quitté les quartiers pour aller mailler, crier son filet, pour tuer le bien, tuer la richesse. Vous comprenez l'essence des strics. Et Booba essaye d'expliquer que l'Afrique n'a plus d'âge. Et que l'Afrique doit normalement comprendre qu'elle n'a plus d'âge. Et que à quoi ça sert d'être en lion, mais dans le cage. Tu comprends l'essence de ça. Et il a dit à l'Afrique, on va te marier et là tu seras prise en otage. Il a parlé de la richesse de l'Afrique. Et c'est ça son identité. Il a essayé d'expliquer comment il a quitté ses quartiers. Mais il rappelle à chaque fois que l'Afrique est grande. Il a montré des animaux, il a montré la forêt, il a montré la richesse, les mers. Mm-hmm. Tout ça là, c'est pour montrer l'immensité de l'Afrique. Mais l'Afrique, ça soit très veillée, très très veillée, parce qu'on veut marier l'Afrique pour le prendre en otage. Voilà le message fort de cette chanson d'Ekaïr de Booba. Je suis tellement contente de t'accueillir aujourd'hui, Eden. Et puis, j'aimerais savoir, où es-tu né? Moi, je suis né au Congo, en République démocratique du Congo. C'est très loin d'ici quand même, c'est en Afrique, en Afrique centrale. Et je suis né précisément à Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo, vers l'année 1997. C'est là où j'ai grandi. J'ai fait mes études primaires, secondaires, et jusqu'à ce que j'ai quitté le Congo pour venir ici au Canada afin de continuer mes études universitaires. Donc, tu étais au Congo assez longtemps pour te souvenir du Congo. Tu as vécu au Congo, toi? J'ai vécu au Congo et j'ai fait toute ma vie. Oui, toute ta vie. Il me reste encore une longue vie, mais j'ai fait le début de ta vie, c'est-à-dire que... Le début, voilà. Exactement. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Congo? Le Congo, c'est un État qui est situé en Afrique centrale. Un état catastrophe des géologiques, en termes d'abondance des richesses. Et c'est un pays, je dirais, deuxième en Afrique en termes de superficie et huitième au monde. Et le Congo a plus de 89 millions d'habitants. C'est du monde. Ouais, c'est du monde. Le Congo a plus de 200 langues. 200? Plus de 200 langues d'identité. Ouais, 200 langues des nationalités identitaires et culturelles.
et 4 langues nationales et une langue officielle qui est le français. Et ça, c'est une langue, c'est l'héritage de la colonie, parce qu'on a été colonisé par la Belgique. Et le Congo a plus de 800 partis politiques. Oui, je suis impressionné là par les chiffres. Plus de 450 ethniques. Et le Congo, c'est vraiment un pays grand. C'est vaste. Vaste. Et un pays considéré comme le plus riche, un pays plus riche. Plus riche. Plus riche au monde. En Afrique. Surtout en toutes sortes de choses, des minerais, des diamants, etc. Catastrophe. Je ne sais comment tu dis ça. La prochaine chanson, tu l'as choisie en rapport avec le Congo. Est-ce que je me trompe? Exactement. Et quelle est-elle, cette chanson? C'est la chanson qui se nomme « Indépendance Tcha-Tcha ». J'ai choisi cette chanson pour commémorer, je dirais, l'indépendance de mon pays depuis 1960, aujourd'hui 70 ans. Oui, aujourd'hui. Et même. Aujourd'hui même, les 30. Aujourd'hui même. Oui, en fait, dans mon pays. Indépendance Tcha-Tcha, aux oubliés, au Kinshasa, Tcha-Tcha. Kengeli koi mboka ngomo kengeli leopa mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongisa Kongo aveni Ebongito sala, ebongito sala, motonyo so ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku. Kongo ya bwanya, kasa ya mbila. Kongo ya makasi, moto ya nkoi.
mikolo tosekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali mpoya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Ça, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui me fait rappeler, qui fait rappeler, pas seulement à moi, mais à tous les Congolais, les jours de l'indépendance de notre pays. C'est une chanson qui a été faite par Rochero Tabouley, qui est un des artistes et des pionniers, je dirais, du Congo. Le papa de Youssoupha, je dirais, c'est un rappeur français. Dans cette chanson, il a dit le Congo, c'est un pays qui est protégé par un léopard. Et dans cette chanson... Un léopard. Et il dit dans cette chanson que le Congo, c'est un pays des ancêtres. Mm. C'est un pays des hommes forts, un pays des hommes intelligents, un pays qui donne, qui égorge des personnes qui ont l'amour. Mais il faut que nous puissions s'y mettre ensemble. Et il a dit... On a vu comment nous avons blagué avec l'argent de l'État, comment nous avons fait pour exterminer tout ce que nous avons comme nos biens que Dieu nous a donné. Mmh. Et il a interpellé à tous les Congolais, beaucoup plus les hommes politiques, ouais. Les gouvernants, de s'y mettre ensemble pour voir un Congo l'avenir. Mmh. Il a insisté sur la jeunesse beaucoup plus parce qu'il a dit le Congo, c'est le Congo de la jeunesse et c'est cette jeunesse-là qui va sauver le Congo. Mmh. Il a intervenu, il a dit encore que nous devons vraiment s'y mettre ensemble. Et aujourd'hui, on a ouvert les yeux, comment on a blagué. Mais non, ouais. Ce n'est plus le temps de blaguer. Non, c'est le temps de s'y mettre ensemble et de sauver ces grands pays. Mmh. Et cette chanson, ça me fait rappeler vraiment... Puis comme tu disais plus tôt, il faut profiter de la catastrophe. Profiter de ces catastrophes géologiques. C'est... Dieu nous a donné tout, j'ai dit tout. On ne peut pas demander à Dieu bénis le Congo, non. Dieu nous avait déjà bénis depuis longtemps. C'est beau comment tu parles de ton pays. J'aime vraiment ça, ça me touche beaucoup. Puis là, un jour, tu as dit, je vais aller faire un tour au Canada. Et comment ça s'est passé et pourquoi tu es venu au Canada? Le Canada, je suis venu pour faire les études. Mm-hmm. C'est ça la raison majeure. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est les programmes que j'ai trouvés ici dans l'université que j'étudie en ce moment. C'est les programmes de la pluralité humaine. Parce que la question sociale... ou soit les enjeux sociaux du Congo, ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Et j'aimerais bien étudier ces enjeux-là, apporter quelque chose pour mon pays. Et quand j'ai trouvé une telle université au Canada, en tout cas, j'ai changé ma vision, j'ai dit je dois aller au Canada pour étudier pour ces Congos-là. Puis c'est quelle université? C'est l'Université de l'Ontario français. C'est pas vraiment connu, c'est une nouvelle. Okay. Complètement en français, au centre-ville de Toronto. Oui. Ouais. Eh bien, nous sommes, je dirais, la première promotion. Oui, première cohorte. Yes. Oui, waouh, bravo. Oui, merci. C'est bien d'être au début de quelque chose, non? Oui, c'est quelque chose. C'est excitant, là. C'est vraiment excitant. Et on a eu la chance de rencontrer plusieurs nationalités, les étudiants qui viennent de partout au monde. C'est vraiment intéressant d'étudier. Et je suis très, très content d'étudier dans cette université. Donc, Edmonton, c'est pour l'été? À Edmonton, j'ai une famille ici. Chez nous, on dit famille élargie, mais oui. Non. J'ai mon oncle ici. Ah, d'accord. Oui, le frère de mon père. Et je suis venu, comme vous avez dit, pour passer l'été. Ah oui. Et peut-être en septembre, je vais retourner à Toronto pour continuer ma session. Ah oui, il faut continuer. Ben oui, c'est magnifique, ça. Et maintenant, il y a une pièce musicale qui s'en vient, puis je sais que tu es un grand amateur de musique. Qu'est-ce que c'est, cette pièce? Tu peux nous en parler un petit peu? Cette pièce, ça s'appelle Grand Kasaï. C'est une chanson des Bayuda du Congo. C'est un groupe de la ville, je dirais, la ville d'origine de mon père, là où mon père il est né. Alors, je m'aimerais vraiment parler mon origine. Moi, je suis né à Kinshasa, mais mon père, il est né là-bas. Et moi, je fais partie, je suis les descendants de mes ancêtres de ces coins-là. Ça. Alors, tu fais partie de ce coin-là, par la chanson. Et dans cette chanson, il parle « Venez voir les grands Kasaï. Mm. Venez voir les grands Kasaï qui contiennent le minerai, qui contiennent les diamants, qui contiennent une grande richesse. C'est ces grandes terres de nos ancêtres, des Chichimbi, des Kasongo. Il a parlé, il a cité de nos ancêtres. Il appelle les gens « Venez voir cette grande terre. » de nos ancêtres.
Et quand j'écoute cette chanson, c'est, je sens quelque chose en moi. C'est comme si on parle de moi. Ouais. On parle de moi. Mais je n'ai jamais y allé. Là, je vous rassure, je n'ai jamais y allé. Je voulais quand même mettre cette chanson. Ça me fait rappeler. Et c'est ça, c'est vraiment mon identité. Mm-hmm. Ça fait partie de mon identité. Grand Kassai.
est-ce qu'il y a des histoires qui sont parvenues jusqu'à toi à propos de tes ancêtres ou de tes parents ou de tes grands-parents? Oui, exactement. J'ai une histoire que j'aimerais vraiment partager. Cette histoire, ça me touche beaucoup parce que ça fait partie de mon identité. À l'époque, mon père m'a raconté à l'époque notre ancêtre qui s'appelait Tichimbi. C'est un messie qui avait trois femmes. Et dans ces trois femmes, sa troisième femme, elle était plus jeune. Alors messie Tichimbi, comme il était devenu vieux, il a eu des enfants avec sa première femme, sa deuxième femme, mais aussi avec sa troisième femme qui était plus jeune. Oui. Mais il a eu juste un enfant avec elle. Comme il était devenu vieux, il voulait mourir. Il a appelé son fils aîné. Il a dit, moi, je vais mourir. Mais écoute, j'ai ma troisième femme que j'ai épousée, mais qui est encore une jeune fille. J'ai eu un enfant avec elle. Mais je ne veux pas qu'elle parte comme ça. Ouais, je te donne mes ordres. Toi, tu vas le prendre comme ta femme. Okay. Et tu n'as rien à donner parce que j'ai épousé, j'ai donné tout. Et le messie Tichimbi est mort et son fils est resté. Et parce qu'à l'époque, la parole de ton père, c'est plus forte que tout. C'était une loi. Oui. C'était une loi. Si tu ne respectes pas, tu auras des sanctions. Tout à fait. Et il était obligé de le faire. Et Kaninda, qui était le premier fils de notre ancêtre Tichimbi, a pris la femme de son père, qui était sa troisième bio, je dirais. Oui. Et il a commencé de faire des enfants avec elle. Oui. Et ils ont fait plusieurs enfants. Et moi, je passe cette histoire parce que le seul enfant que M. Tichimbi a eu avec sa troisième femme, qui était une jeune fille, oui, le seul enfant, c'est le grand-père de mon père, ah, Lukita Samuel. Voilà cette histoire qui me touche beaucoup. Oui. Et bien après un moment, Kaninda a dit, j'ai fait des enfants avec toi, mais bien, écoutez, toi, tu es la femme de mon père. Et puis, je ne t'ai pas épousé. Je vais chercher la femme que moi-même, je vais épouser avec mon propre moyen. Oui. Et il a quitté cette femme-là. Et il a trouvé une autre femme. De son propre chef. De son propre chef. Oui. Et c'est avec cette femme-là qu'il a eu encore des enfants. Et aujourd'hui, parfois, on n'arrive pas... On se demande parfois, il y a d'autres personnes dans la famille que je peux lui appeler grand frère ou oui, mon oncle. On sait plus. C'est un peu bizarre, tu comprends là. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et oui, c'est cette histoire qui me touche beaucoup. Alors, tu viens d'une très grande famille. Très, très grande famille. Très, très, très. Il y a d'autres qui sont au pays, à l'intérieur. Il y a d'autres qui sont à Kinshasa. Il y a d'autres qui sont partout en Afrique. Et ici au Canada et partout au monde entier. En Europe, partout. Mais ça, c'était une belle histoire. Merci beaucoup. C'était une histoire très riche qui, d'ailleurs, est le titre de la prochaine pièce. Cette histoire musicale, c'était une chanson de Claudio Capeo qui parle du riche. Et Claudio Capeo, c'est un artiste français qui a chanté cette chanson pour parler à son fils. Et il a dit à son fils, écoutez, il y aura un moment, tu vas devenir vieux, ou soit tu vas grandir. Ben, tu vas m'oublier que je suis ton père. Parfois, quand je te dirai, prends-moi cette chose, tu ne vas pas prendre. Non. Tu ne le feras pas parce que tu as grandi. Je vais oublier, je vais demander, mais tu es qui? Tu as quel âge maintenant? Et tu oublieras tout ça, tu vas me dire, allez, arrête tout ça là. Mais je te rassure, j'essaierai le meilleur, papa. Et moi-même, je me demande, ça sert à quoi d'être riche si on est déjà un papa riche? Parce qu'on est toujours un papa riche, finalement. Un papa riche. Ça sert à quoi? Et il continue à dire à son fils, même si tu ne seras pas le meilleur parce que tu vas grandir, tu vas prendre des maturités, tu ne vas plus réagir comme avant, comme tu étais petit enfant. Oui. Même si tu ne seras plus le meilleur, un fils plus meilleur. Mais ce que moi je te demande, ne sois pas un grand homme, mais sois juste un homme grand. Ah, c'est beau. Ça, c'est ça qui me touche beaucoup. Et j'ai dédié ça à mon père. Ne sois pas un grand homme, mais sois un homme grand. Yes, sois juste un homme grand. Waouh, c'est beau. Ouais. Il a fallu que j'y pense un peu, mais c'est magnifique. Et tu dédies ça à ton papa? Oui, j'ai dédié ça à mon père. Il s'appelle comment ton père? Il s'appelle Hubert Muninga. Il y aura les jours avec, les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier.
peut-être peur. Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus. Quel est ton âge? Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. Et les slameurs écrivent merveilleusement notre langue. Je dois dire que le leader de tout cela, celui qui émerge en tête, c'est Kerry James. Et vous allez l'entendre, écoutez surtout attentivement les paroles, comment c'est beau et comment c'est français. Des feuilles blanches à l'encre d'ébène, à l'encre de mes peines. Je m'époumonne sous la fureur du vent. Mes mots s'envolent comme des nuages mouvants. On me tue chaque jour dans la langue de Molière. Je rends chaque coup dans la langue de Césaire. Poète noir, je chante ma solitude. J'habille des espoirs que l'aube dénude. Je m'inspire de feuilles mortes aux couleurs d'automne. Ma poésie naît où l'été s'endort quand l'hiver chantonne. Puisqu'écrire c'est oser, j'ose sans demi-mesure. J'ai des souvenirs pourpres à en faire rougir l'azur. Je viens des tours de ciment à perte de vie. Cimetière d'illusions où se terrent les envies. Quand les lendemains ne font même plus de promesses. Mourir à 20 ans peut te sembler romanesque. À traîner le jour, j'ai vu naître la nuit. On a longtemps cru que vivre, c'était tuer l'ennui. L'égalité, je crois la voir en silhouette. Ce soir où la pauvreté pointait un flingue sur ma tête. Je narcis des feuilles blanches à l'encre d'ébène. À l'encre de mes peines. Je m'époumonne sous la fureur du vent. Mes mots s'envolent comme des nuages mouvants. On me tue chaque jour dans la langue de Molière. Je rends chaque coup dans la langue de Césaire. Poète noir, je chante ma solitude. J'habille des espoirs que l'aube dénude. Jugé sur mon teint, j'écris à l'instinct. J'ouvre les bras au monde, mais seule la peine m'étreint. Alors sourire forcé, je ne serai jamais français. Ici les fils de colons ont peur d'être grands remplacés. Au soleil levant, c'est un drôle mes jours. Il affronte en moi la guerre civile d'Eric Zemmour. Peur des différences ou panique sanitaire. Les moutons masqués trouvent la dictature salutaire. Je mène une vie de poème, je m'émancipe en lettres. Je n'attends pas qu'on m'aime, j'exige qu'on me respecte. À chaque instant je meurs, je ne suis pas grand chose. Peut-on rendre le monde meilleur en semant des pétales de bronze? À l'encre des peines, à l'encre de mes peines. Je m'époumonne sous la fureur du vent.
s'envolent comme des nuages du vent. On me tue chaque jour dans la langue de mon air. J'entends chaque coup dans la langue de ses airs. Poète noir, je chante ma solitude. J'habille des espoirs que l'orgue dénude. Noir. C'est une chanson de Kerin James. Kerin James, c'est un artiste français d'origine africaine qui fait la musique de la négritude. Il parle plus sur les Noirs. Il défend la cause des Noirs à travers les chansons, à travers des poèmes. Il insiste surtout sur ça. Et j'ai pris cette chanson parce que dans cette chanson, il a dit « J'ai noirci ma feuille blanche en l'encre ébène et de mes peines ». Il rappelle aux Blancs, il a dit « Nous ne sommes pas arrivés là par hasard ». Tout est arrivé par son départ. Et il insiste que je parle parce que vos filles, le fils des colons ont peur d'être grand remplacé. Il insiste d'y rappeler, il crie sur ma solitude, il crie sur tout ce qu'il vit comme noir, ces racismes qui continuent jusqu'à aujourd'hui, qui a commencé depuis. Quand j'écoute cette chanson, je comprends que c'est quelque chose qui me tue, qui me tient beaucoup au cœur parce que c'est l'un des enjeux aujourd'hui, même ici au Canada et partout au monde, dans des pays où se trouvent des Noirs, vous allez trouver que cet enjeu qui continue à susciter à chaque fois. C'est pour cela que je m'aimerais prendre cette chanson pour essayer de partager cette peine avec tous les Noirs qui subissent aussi cette peine avec, comme moi, comme les autres, comme Kerin James, qui continue de pleurnicher pour qu'il y ait l'égalité dans la société et la considération surtout et puis le respect. Et ça m'amenait à ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des causes ou des enjeux qui te tiennent à cœur? Je pense que tu viens de répondre. Oui, il y a des enjeux. Par exemple, le racisme que je viens déjà de parler, ce sont des choses qui me tiennent beaucoup au cœur. Non seulement le racisme, mais la discrimination des tout genres. De tout genre. De tout genre. Il y a même la question des autochtones. Moi, je viens de trouver ça ici au Canada. Oui. Ce sont des enjeux qui me touchent beaucoup au cœur. Les réalités des autochtones. Ouais. Les inégalités entre l'homme et femme. Ouais. Ça, ce sont des questions. Ouais. L'équité. Ce sont des questions que nous devons débattre. Et la pluralité sexuelle et la diversité des genres, ce sont des choses que nous devons vraiment, aujourd'hui dans la société, que nous devons voir. Et ce sont des enjeux qui m'intéressent et qui me touchent beaucoup, que je pense toujours il faut s'y intégrer, s'y mettre et voir comment chercher le vouloir vivre ensemble, la liberté, la considération des autres, accepter les autres comme ils sont. Ce sont vraiment des enjeux que nous sommes en train de mettre sur phase, vraiment. Merci. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Thank you.
puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend, je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps, je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Chaque instant, il attend, il comprend son enfant, je dirai. Dieu seul est grand, je dirai. Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Et je suis toujours avec Éden qui nous parle de ses racines, de son histoire. Et ma prochaine question, c'est Éden, est-ce que tu es adepte d'une religion? Oh ouais. Oui. Laquelle? Oh ouais. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien de l'Église Nouvelle Apostolique. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, moi, je viens de catholique. Ben, c'est à peu près comme oui, catholique. Oui, c'est à peu près, mais... oui, c'est ouais. Ce que je me dis. Mais nous, on prend les apôtres. Mm-hmm. C'est une église des apôtres. On nous enseigne l'évangile de Jésus-Christ. Je ne savais même pas comment je suis entré dans cette crise-là. Je ne savais même pas. C'est avec ta famille? C'est mon père qui m'a amené. Ouais. Je grandis avec. Ça fait partie de toi? Ça fait partie de moi. Jusqu'aujourd'hui au Canada. Oui. Ça fait partie de moi. Et t'as trouvé ici au Canada avec une congrégation? Je trouvais une congrégation ici à Edmonton. Il y a juste une seule congrégation. Okay. Ouais. Et je suis très content de trouver mon église ici. Mm-hmm. Et ça fait partie de mon identité religieuse. Et je suis chrétien. Je n'ignorerai jamais ce que je suis. Et je continuerai à louer les seigneurs partout et dans toute ma vie. Mm-hmm. Ça, c'est mon identité spirituelle, ouais. Religieuse. Ça, je ne peux jamais c'est abandonner. Immuable. C'est immuable, qu'on le veuille ou non. C'est bien imprimé en nous. Oui. Et maintenant, quelle est la pièce que tu nous présentes, la prochaine pièce? La prochaine pièce, c'est une chanson des sopranos. Un soprano, c'est un artiste français. Il rappe aussi. Cette chanson, il a dédié tous les héros du quotidien. Soprano, il essaye de parler aux héros, de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait dans sa vie. Mm-hmm. Il a dit, vous ne me connaissez même pas. Ouais.
C'est des grands héros, il parle des grands héros ou des héros du quotidien? Donc, il parle des héros comme son père, sa famille? Sa famille, les gens, même les grands héros, les gens que nous voyons chaque jour, les gens qui nous motivent, les gens qui nous apprennent. Ouais. C'est pour cela qu'il a dit, je vous remercie, je vous dis merci, je ne vous connaissais pas, vous aussi vous ne me connaissez pas, mais je vous dis merci pour ce que vous m'avez appris. Il a dit, on a des moments très durs, des moments sombres. Et parfois, on n'a pas l'impression de continuer dans une aventure, dans une guerre. Vous m'avez appris par vos actes, par vos mots, qu'il faut continuer. Il ne faut pas jamais abandonner. Et il a dit, vous m'avez réanimé. Vous m'avez réanimé. Et moi, je t'écoute et j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui remercie beaucoup. Oui. Moi, je remercie beaucoup. Nous remercions... Des gens comme Mandela. Nous remercions des gens comme des Martin Luther King. Nous remercions des gens comme Lumumba. Nous remercions nos proches. Nous remercions nos parents qui nous ont motivés. Et je dis merci parce que Dieu, dans mon destin, tu as mis tous ces gens-là, toutes ces personnes-là. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous s'est allumé. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui vient sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. Je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. Entrevois-tu l'avenir? Je voyais comme ça depuis que j'étais enfant. Et j'ai senti ça en moi, je dirais, desservir les autres.
Je vois comme ça, c'est de servir les autres, de servir la communauté, servir la société et servir Dieu. Ça, c'est ce que moi, j'envisage toujours. Ce sont des choses que je m'aimerais même faire ça partout où j'essaierai. Même au Congo, je le fais. Aussi au Canada, je le fais. C'est comme ça que je suis entré voir mon avenir. C'est servir les autres, servir la communauté et servir la société. C'est ça que moi, je suis en train de penser et de faire à tout moment dans ma vie. C'est pour cela aujourd'hui, je fais même les programmes de la pluralité humaine. C'est pour comprendre les enjeux de la société. Comprendre comment ça marche, comment ça s'articule, comment il faut trouver des solutions, pistes de solutions, et pour réussir dans ces perspectives d'avenir, pour servir la société, chercher le vouloir vivre ensemble, chercher l'égalité, les respects et l'acceptation. Ça, ce sont mes perspectives d'avenir. Eh bien, c'est tout a été dit. Et c'est peut-être en rapport avec le choix de ta dernière chanson pour aujourd'hui? C'est pas vraiment ça. C'est, cette chanson, j'ai choisi ça juste pour rappeler à tous que partout, il y a l'amour. Même ces gens qui se sentent en solitude, des gens qui souffrent, des gens qui passent des moments très difficiles. L'amour est avec eux et l'amour colle partout où vous êtes. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sentez pas que c'est fini pour vous. L'amour est là. L'amour est là. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets, le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai, lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Celle d'après, tu
mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Et mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Eden, comment as-tu trouvé cette expérience de faire de la radio? J'ai beaucoup apprécié cette expérience parce que, disons, c'est pour ma première fois de parler à la radio et surtout d'exprimer mon identité, mon histoire. Je trouve ça très intéressant parce que beaucoup vont me découvrir, beaucoup vont connaître ce que j'aime, ce que je suis. Ouais. Et ça me touche beaucoup. Et je tiens même à remercier la Radio Cité de m'avoir donné cet espace pour parler de mon identité, cette opportunité de m'exprimer. Et c'est vraiment un très, 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 très plaisir pour moi. Ça m'a fait très plaisir de participer dans cette émission. Et j'aimerais bien même continuer la prochaine fois, venir avec d'autres questionnements. Et je pense que ça sera vraiment très intéressant. Eh bien, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici aujourd'hui avec moi en studio, Eden. Et puis, je te remercie beaucoup d'être passé à la radio. Et puis, j'espère que tu vas revenir très souvent. Ouais, merci beaucoup. C'est à moi d'ailleurs de vous remercier pour l'invitation.